Hey yo tout le monde, c'est Thiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Satisfactory. Alors j'ai laissé tourner un peu, comme d'habitude, mais t'as vu que j'ai plus... Ouais voilà, j'ai plus rien. J'ai plus de biomasse. Donc, on va commencer cet épisode par faire un peu de biomasse. Ce qui peut ne pas être particulièrement plaisant à voir, donc n'hésitez pas à avancer dans la vidéo. Et dès qu'on aura assez de biomasse, j'activerai ce qu'on avait fait la dernière fois, donc la partie cuivre. Ah oui, cuivre, j'ai dit quoi? J'ai dit cuivre, je sais plus. Cuivre moustache. On verra si ça produit d'ailleurs. Normalement ça devrait produire. Oui, désolé pour l'épisode d'avant, hein, il y a eu pas mal d'interruptions. J'ai essayé de le tourner quand même. Bon, ça a donné ce que ça a donné, hein. Un départ un peu précipité, quelques coupures, quelques interludes, mais bon, ce sont les aléas de la vie, j'ai envie de vous dire. Donc, objectif de cet épisode, ce serait également aussi peut-être de commencer la production de vis, comme vous voyez, pour l'objectif construire l'ascenseur orbital. Ah bon, quoi hein? Enfin, pour l'objectif de l'amélioration du HUB ou du passage d'étape. Comment je dois l'appeler ça? Ouais, c'est bizarre. Je sais pas comment je dois l'appeler. Mais envoyer de la vis. Je vais envoyer de la vis. Hein. C'est tout con. Hein, mais... Et pour envoyer de la vis. J'aimerais bien la créer comme ça, c'est un peu plus simple. Oh, c'est bien tout ce bois là. Du bois. Ouais, je suis carnassier de bois. Comment on appellerait un carnassier en bois? Je sais même pas si carnassier c'est le bon mot. Carnassier, c'est pas qu'il bouffe du fer, ça? Non? Oh. Ah, c'est pareil, je suis tombé. Alors, je sais pas si vous avez vu la vidéo de McFly et Carlito là où il bouffe un truc chelou là. Ne refaites pas ça à la maison, comme on dit. Il parlait d'un mec là qui dans toute sa vie avait bouffé un demi-avion, des trucs comme ça, enfin, c'est une dinguerie, enfin, quelle idée de merde. je sais pas, hein. Alors il y a peut-être une atteinte psychologique, hein, dans ce cas là j'en suis vraiment désolé, mais faut quand même être... faut savoir, faut aimer se mettre en danger quoi. Non, en vrai ma question c'est, à quel point es-tu... Ou l'inverse, à quel point as-tu des... Sérieux, tu peux récolter des hautes herbes comme ça? Ouais. Ouais. À quel point as-tu des problèmes dans la vie pour bouffer un avion? Ou à quel point n'as-tu pas assez de problèmes dans la vie pour bouffer un avion? Je pense que ça marche dans les deux sens. Mais c'est extrême. À mon avis, c'est pas genre le mec random, toi et moi, qui a... T'as un peu de soucis, mais... Enfin, ouais, voilà, mais enfin, on va dire le mec random qui a des soucis, mais sans plus, tu vois. C'est soit il en a beaucoup, énormément, un truc de dingue, soit il en a pas du tout. Bon, bien sûr, je fais des plans sur la comète, hein, c'est peut-être pas le cas, mais enfin, c'est dingue quand même. Je me dis, pourquoi tu bousilles la santé, mon gars? Enfin, prends-en soin, quoi, et enfin, évite de faire des bêtises. Ce serait... Ah! Ah, oui, alors, ouais. Ça y est, on va commencer à remplir notre inventaire. On va faire un conteneur de stock, hein, voilà. Un conteneur de là où on fout toutes nos merdes. Bon, après, grand respect à lui, hein, ça va être quand même un exploit ce qu'il fait, mais enfin... Il y a plein d'autres types d'exploits possibles, quoi. Oh putain, mais attends, mais j'ai plein de merde dans mon inventaire, tiens. Faudrait que je pense, quand je serai AFK, j'irai récupérer les minerais et les lingots, et je ferai de la... Je ferai des trucs avec... Tant qu'à faire tourner mes industries, autant faire tourner aussi mon atelier. Ça peut... Bon, autant faire deux choses à la fois. Hein. Enfin... Oui, c'est ça, oui. Je me disais faire... Je fais pas vraiment deux choses à la fois, dans le sens où je fais que de l'atelier. Mais au final, est-ce que je ne ferais pas... Enfin, est-ce que ce qui est en automatique, c'est pas aussi quelque chose que je fais à la fois, enfin,
Oui et non, tu me diras, c'est pas, une... enfin, c'est pas par exemple comme le mec qui il lit ou il fait de la couture en même temps, tu vois. C'est un peu spécial. Bon, d'ailleurs, faut que je vous raconte. Bon, j'ai un skill dans la vie, il me sert à pas grand chose, mais j'ai un petit skill dans la vie. Je sais jongler. Ouais, bravo. Ça ne sert pas à grand chose, mais en vrai, il y a, j'avais entendu quelque part quelqu'un qui disait, alors, je sais pas si c'était propre au jonglage ou si c'était propre à plein d'autres choses, aux, on va dire aux répétitions, aux choses qu'on fait, mais j'ai envie de dire un peu par réflexe. Par exemple, si tu sais conduire, au bout de quelques années, tu vas pouvoir, enfin, au tout début, tu vois, déjà t'es tellement concentré sur ta conduite que t'arrives pas à parler. Voilà. C'est ultra compliqué de faire les deux en même temps. Et ben en fait, au bout de quelques années, tu vas dire, bah, si vraiment la conduite est, comme, est rentrée comme un automatisme, tu vas pouvoir faire des résoudre des calculs mathématiques. Ou ce genre de choses. On y parlait, il prenait un exemple, les calculs mathématiques. Et ce qui fait que, bah, en jonglant, par exemple, vu que c'est un automatisme, et que j'ai pas à réfléchir au mouvement de mes bras, je peux faire des calculs en même temps. Et vous, enfin, imaginez-vous, est-ce qu'il y a des trucs que vous faites, ça peut être, je sais pas, un morceau de musique, ça peut être, je sais pas, par exemple, vous faites de la forge, vous forgez quelque chose, vous êtes capable de faire des maths en même temps, des calculs, on va dire, cérébraux en même temps. Ou, je sais pas, vous faites une construction, je sais pas, Minecraft, Satisfactory, et vous êtes capable de résoudre une équation en même temps, c'est-à-dire qu'en fait, ça sera tellement ancré profondément en vous, cet automatisme, que vous serez capable de faire un autre truc qui vous demande la concentration cérébrale. Parce que le cerveau, je crois, n'est pas capable de faire plusieurs choses en même temps. Tiens. Par exemple, parler et faire autre chose, j'ai du mal. Parler et me concentrer. Hein, j'ai du mal. Et là, vous voyez, là par exemple, je suis tellement concentré à faire mes trucs que je sais même plus ce que je voulais dire. Terrible, hein. Et oui, donc, vous pourrez pas mettre des tâches en parallèle en fait. En fait, le cerveau il fait plein de petites tâches en série. En fait, d'affilée. Et c'est bon, le fait qu'il soit très rapide, c'est lancé ça ? Non, c'est pas lancé. On a l'impression qu'il est fait en simultané, mais en fait, non, apparemment, il ferait que des tâches en série les unes après les autres. Sauf les tâches pour lesquelles il a des automatismes, si j'ai bien compris. Où là, bah, ça rentre dans un autre type de réflexion. C'est assez intéressant. Ouais, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous avez des choses, vous. Je sais pas, par exemple, vous faites. C'est rien, un sport, du tennis, vous n'avez pas à réfléchir comment vous tapez la balle ou des trucs comme ça, n'hésitez pas à me dire. C'est vachement bien ça. Ça sort pas là-bas. Ah si, c'est bon, ça sort. Allez, on va regarder si. Là, j'ai du fil qui sort. Là, ça a l'air de... Ouais. J'ai failli tomber. Là, il y a du fil qui est sorti. Et là, je crois avoir vu du fil qui est sorti. Mais dans tous les cas, ça fonctionne. Donc, on va regarder cela. Là, ça fonctionne. Lui, il fonctionne. Lui, il fonctionne. Et... Lui il fonctionne. Impeccable. On a de la production de fil électrique les gars. Bon ça va bouchonner. Je vous préviens d'avance, je le sais que ça va bouchonner ici. Ah quoique. Si parce qu'en sortie j'en ai le double. Là, ça commence déjà à bouchonner. C'est pas bien grave. Là ça bouchonne dur aussi. Ah ça doit être. J'ai dû remplir le. Oh que oui, c'est rempli. Si longtemps que ça. Voilà, là-bas aussi c'est rempli. Bon. Et ben, prochaine production. Oh merde, j'ai récupéré une minute à faire. J'ai zappé ça. Prochaine production, novice. Donc on va passer par des tiges. Tiens. Okay.
Tac, voilà. Donc on va faire des tiges, et à partir des tiges on va faire des vis. Et c'est parti mon kiki. Ah ouais, ah zut, ah, je vais zapper ça. Hein ? Ah ouais, ok. Prod. Ma question, dans quel sens ? Non, on va le mettre comme ça. De toute façon, là j'ai un... J'ai pas vu, mais là... terrible ça. On voit ce qu'on va pouvoir faire. Tomber aussi, comme l'épisode précédent. On a quand même enchaîné chute sur chute là pendant quelques minutes. C'était laborieux. Je vais être obligé de mettre ça. Je suis pas sûr que ça passe là. On peut. Et bah. Non, ça passe pas. Donc on va mettre des rampes de 2 mètres. Et. Ah, bah dis, j'y arrive plus. C'est quoi ce délire? Ça clignote. Laissez-moi placer mon machin, s'il vous plaît. Mais vous... Bon, voilà, ça m'a saoulé. Est-ce que j'ai besoin d'aller jusque là? Pas plus. Hop, on va mettre un truc de net. Un problème. Ouais. Si je fais une rampe en inverse. Pas mal. Si je fais une rampe 1 mètre. Parce que tout là, je vais être obligé de faire de la fondation d'un mètre. Ok. C'est pas si mal. Foreuse. Voilà. Bon, maintenant on va essayer de rendre ça un peu plus beau parce que c'est pas terrible quoi. Et bah. Hop. Ah, j'ai pas de coin. J'ai pas de coin là pour le mettre là. Bon, c'est pas très bon. Ouais. Voilà. Pas vu ça. Voilà. On fera les coins plus tard. On va essayer de refaire un peu comme on a, comme le pattern qu'on avait fait là-bas. Ah, d'ailleurs, je suis en train de me dire si je regarde par rapport à l'atelier, j'ai encore les plaques de fer renforcées et le câble à faire. Ah. Le béton, on est bon. Excusez-moi. Hop, ça dégage. Et je vais avoir besoin de faire des plaques de fer renforcées. On avait dit c'était 8, donc c'est 16, et j'en ai 2, donc 14. Bon, ça va avec les plaques de fer renforcées, j'ai pas en fer non plus trop régulièrement. Mais c'est pas très très rapide à craft, surtout les vis. Donc on va s'arranger. Donc là, je vais pas en faire 14, en fait je vais en faire 30 parce que je vais prévoir la production de... En fait je vais prévoir la production de rien du tout. Hein.
de prévoir la production de ce qui arrive après, mais je suis pas sûr d'avoir besoin de 8 de 16 plaques de fer renforcées, donc 8 constructeurs, donc au final je vais rien faire. Le seul truc que je vais prévoir en plus, c'est un peu de câble. Et ça, on en aura toujours besoin. Ah mais d'ailleurs, on a besoin pour les constructeurs. Ouais, donc je vais récupérer le câble, j'irai chercher du fil électrique, là j'ai dû en produire un peu. Voilà. Ça fonctionne pas lui. Bon ça il fonctionne pas lui. Ah ben non, mais non, il est plein. Je l'ai vu tout à l'heure en plus, j'ai déjà oublié. Tout prendre, voilà. 400 et des poussières, c'est bien. Ça, ça se remplit beaucoup plus lentement. Hein. Ou alors je l'utilise beaucoup plus. Au choix. Je saurais pas dire. On va mettre nos fourneaux ici. Bien comme ça au niveau. Là ça me laisse un peu de place par là. Au cas où je veux mettre quelque chose. J'ai pas envie de laisser les convoyeurs à terre non plus. Sinon ça me gêne. Donc répartiteur ici. Hop. Voilà. Et là, ce que je vais faire... C'est ça, là, je vais donner un peu de hauteur. On va faire un truc comme ça, bien barbare. Ça va être bon, pas s'enquiquiner. Hein. Ne nous enquiquinons pas. Hop. Ici, on va prévoir que c'est un goût de fer. Et coller. Ah, coller. Et je sais plus comment on avait fait. Je vais jeter un œil. Alors, où sont les échelles? Alors, on avait dit, ah oui, mais j'ai un peu triché avec ça. Ouais, on regroupait. D'accord. Ah, et puis ouais, j'ai pas été con ce jour-là. C'était quand? J'ai plutôt été malin. Donc là je faisais un répartiteur. Donc l'entrée est là. Et là je faisais un groupe.
ça envoie directement dans un constructeur. Produit de la tige de fer. Voilà. Ça. Ça on va. Alors ça marche aussi, mais un petit détour là. Ok. Deuxième rangée. Tac, paramètres collés. Voilà. Tiens, j'ai un trou de mémoire d'un coup. On va retourner voir. Je regroupe, mais je sais pas exactement de quelle manière je regroupe. J'ai un doute. Ah oui, d'accord. Ok. C'est bien ce que je pensais. C'est le petit truc qui fait pas très très propre. Mais à terme, avec nos constructions, ça pourrait. On fera. Enfin, avec les fondations qu'on pourra choper, ce sera un peu plus propre. Donc. Groupeur, il faut que je le mette pile entre les deux là. Donc un groupeur pour lui, un groupeur pour lui. Un ailleurs, je vais pas m'embêter, c'est quoi c'est. Non, tac. J'ai plus de câble pour la suite. C'est ballot ça. Je savais que j'allais avoir besoin de câbles, mais pas autant. Une petite surprise. Ah, ça devrait suffire. Alors, répartiteur. Alors, même principe ici. Hop. Là on groupe, on groupe. Là on envoie. Là-dedans. Enfin là-dedans, plutôt là-bas. Là, on va montrer. Ah merde, j'ai pas dû bien les placer. Je crois que mon groupeur il est un tout petit peu plus près. Sniff. C'est pas grave. Je crois qu'il est là en vrai. Hop. Répartiteur. Que là on est comme ça. Hop. Là, ça part là-bas. Oui, alors. On manque un peu de place. Tac. Que ça, on a nos entrées qui sont là. Pas mal.
On est pas mal en vrai. Et bien sûr. Oh. Oups. Là, je dois faire le regroupement. Est-ce que je regroupe? Alors, comment je regroupe? Non, parce que. La question c'est. Ah ouais, merde. La question c'est que j'ai besoin de beaucoup plus de constructeurs. La question c'est. Combien de constructeurs j'ai besoin? On dirait un problème de maths, la con, là, qu'on te dicte. De combien de constructeurs ai-je besoin pour produire, enfin pour, non même pas produire, pour utiliser toutes mes tiges de fer en production de vis. Non, vraiment, on dirait un problème, problème de maths qu'on nous donnait à l'école. Tu me diras. Ça fait appel à des calculs mathématiques de base. Des multiplications, des divisions, des additions, des soustractions, sûrement. On va éviter de faire des équadifs. C'est un peu chiant. Alors. Ça fait quoi? Ça, ça m'en prend 10 en entrée. 10 barres de fer en entrée. La sortie, j'en ai rien à foutre. 10 barres de fer, ok. Combien j'ai de barres de fer en sortie? J'en ai 15, ok. 15 fois 8, 120. J'ai dit 10, donc il m'en faut 12. Donc 24. 24 constructeurs. Oh, ça fait un peu... Hein? Non. 12. Non, 12. 12. 12 constructeurs. Oui, ok. 12 constructeurs. Donc ça fait 3 rangées. Là, c'est pas... Ça m'arrange pas, ça. J'aime pas. Donc ça fait 24... packs de fer renforcés. La production, ouais, va partir sur 4 rangées. Ça, c'est... Comment je vais m'arranger pour faire une quadruple rangée? Parce que la double rangée, elle était plutôt simple. Là. Là, j'ai une triple rangée. Je réfléchis. C'est qu'on a 4 sorties de production, on va dire. On a 4 fois de la sortie de prod. Là, ça marche vraiment pas en plus. Est-ce que je ferais pas sur 4, mais je mettrais des rangées de 3? Ouais, non, c'est pas terrible ça. Ça serait pas très esthétique. Mais ça va faire plus en longueur. Je pense que j'ai ce qu'il faut en vis là, c'est bon. On va viser, on va essayer de. C'est bon, je me prenais la tête pour rien. On va récupérer un peu de plaques. Je crois que je suis presque à court, voire à court. Ouais, j'étais à court. Putain. Ah. Petit souci d'ordre de place. Ah merde. J'ai pas pensé à ça. Bon, on va décaler.
à ce temps-là, du béton et de la plaque. Hein. Non, ça va, la plaque. Donc, on va un tout petit peu ouais, décaler sur le côté, parce que là, je vais pouvoir faire un... Attends, non, ma question, c'est la Immense R15, oui. Ok. 9, 9, 9, 9, et la 9. Donc, deux choses. Donc là j'en ai 30, enfin là j'en ai 15, là j'en ai 30. Là j'en ai 30. Autrement. J'ai du câble, je vais pas avoir assez de câble. Ça me manque de câble tout ça. Ça manque de praticité aussi. Là j'aimerais bien faire une rangée là, mais là c'est un peu trop short là. Là on arrive à trop proche du mur, donc je vais être obligé de décaler. Donc déjà je sais pas s'il est bien passé. Hop, 3-4, l'île 2 là c'est bon, non lui il est trop loin. Là, je vais devoir diviser en 3. Attendez, je vais juste bouger ça, regardez ce truc là. Voilà, ce sera... Ah mince. Je fais des bêtises. Tac, tac, voilà. Groupeur, non, répartiteur. Là, on est comment? Oui, on sera bien si je le mets au milieu, donc répartiteur. J'ai un petit souci, c'est comme je veux répartir en 3 là. Pourquoi c'est jamais droit le machin là? Vous voyez là, j'ai ça comme souci. Et je crois que même si, admettons, je peux pas, je vais rendre ça sur 2 étages. Je crois que j'ai pas trop le choix que de faire comme ça. Ça sera même pas symétrique. Symétrique, ça ne fait pas tout. Voilà. Donc en répartissant sur 2 étages, je pense que je suis pas trop mal. Ce qui fait que là, hop, comme ça, là. Comme ça, mais là le problème c'est que ça me bloque le passage. Donc, on va faire un groupeur.
Donc là, bon, déjà il y en a un tiers qui va là. Ça c'est sûr, un tiers qui va là. Là. Voilà, là il y en a un tiers qui va là. Il y en a un autre tiers qui va là. Ça fait plein de tiers. Il y a plein de un tiers, mais t'inquiète, c'est normal. Lui, on va lui demander d'aller là. C'est bizarre ça. Celui-là il donne l'impression d'être droit. Celui-là il donne l'impression de pas être droit. Alors que pourtant. Ouais, c'est bien ça, il était pas droit. Ouais, intéressant, ils ont rajouté une sorte de mécanique pour faire des trucs un peu plus. Un peu plus propre, mais qui est pas encore très très fonctionnel. C'est pas bien grave. Et là on va faire le même principe histoire de. Hop, c'est 6, je crois, groupeur. En effet, il y a un petit quelque chose. C'est pas encore ça, mais. Eh ouais, regardez, hein, ça on avait pas trop. Hein. Merde. Non, j'ai mon groupeur, il est pas dans le bon sens. On va tester des choses. Hop là. Intéressant. Hop, et. Eh ouais, c'est droit là, c'est bien, c'est propre. Dommage que ça soit pas pareil pour ça là. Ou alors il y a peut-être un moyen de. Ah, c'est en fonction d'où on regarde. Très intéressant. Very homochéroïdes. Ensuite. Donc on a encore 6 tiers à utiliser. Un comme ça paraît bizarre, mais c'est logique. On va mettre notre deuxième rangée de constructeurs dans ce cas. Puis c'est comme ça ou comme ça. Je crois que c'est comme ça. D'accord. 3. Paramétré. Oui, j'avais bien paramétré. Oui. Donc on a une sortie. La sortie, ça va pas être. Sortie, c'est pas un souci. On a l'entrée qui va être un petit autre souci. Donc, groupeur. Répartiteur. Si je vais pas avoir besoin de faire un répartiteur supplémentaire. Parce que là on a tout ce qu'il faut mais c'est pour deux. Pour des profondeurs à deux. C'est pas pour des profondeurs à un. À trois je veux dire. Ah ouais mais non même pas. Parce que. Parce que là, bah, j'ai le départ, forcément. Et là, j'en aurai une partie qui devra continuer. Ah, ou pas? Ah, je sais pas. Soit j'ai quoi, là j'ai ça. Là ça part, c'est bien. Là ça part. Je suis même pas bon sur la hauteur. Je crois que je vais devoir arranger.
réagrandir d'un de hauteur. Parce que là, je suis obligé, là, j'en ai deux. Bah ouais. Je vais être obligé de mettre là. Et là, si je le mets là, ça me dit que ça rentre en collision encore. Ouais, c'est pas de la collision, ça. Ça, c'est parfait, c'est la perfection. Je suis pas d'accord, pas de collision. Oh, ça... Bon, d'accord, j'avoue, il y a peut-être un. C'est peut-être pas le plus beau. Peut-être fait déjà mieux, mais. Oh, bon. Je vous écoute, je vous entends. Je vous ai compris. Voilà. Eh ? Tiens, c'est original ça, c'était pas beau. C'est pas le moteur, quoi, c'est... Ouais, c'est... Ok. Là, on a les deux départs. Impeccable. Là, on a quoi ? Là, on a... Une arrivée. L'arrivée, je peux la mettre... Oh. Comme ça. Là, c'est bien pour cette arrivée-là. Donc, toi. Allez. On a un. Un des six tiers fait. Voilà. Bon. Évidemment. Voilà. Ça, on est bon. Là, en soi, j'ai... Un répartiteur, c'est ça? Là, j'ai ça, et là j'ai juste à... On a un deuxième des six tiers fait là. Là. C'est original ça, au niveau de la hauteur. Bon, c'est pas un peu... C'est droit en plus? Ok. Ouais, c'est bizarre ça. Ouais, c'est bizarre ça. Bah. Là, on va répéter. On va répétiter. Waouh. Oui, mon gars, répéter. Répéter. Je suis en train de me dire un truc là, mais. C'est genre si ça va là. J'ai pas besoin de surélever en fait. Ah si, mode 1, mais pas de temps. Je comprends pas l'élévation que j'ai eue là. Ah si, ça compte 1 ça. Ça c'est 1 ça. Ok. Bon. Bon, on va tester autre chose. Bon. Retour à 1 et 6. Merde. Là, je vais vouloir la truc juste en dessous. Faut que j'arrive à choper le bon par contre, ça c'est toujours. Pardon, je me
me suis trompé quand j'ai... Comment ça, elle est trop inclinée? Oh oui, non mais... S'il te plaît, fais un effort. Putain. Mais bien sûr que t'es trop incliné si... Oh. Là, il y a du mieux à faire. De la construction. Tac, on est là. Non, c'est là. Si je me trompe pas, c'est là. Je vis, tu vois, là. Voilà. Je prends un peu de hauteur là parce que on y voit quand même beaucoup plus clair comme ça. Là, là j'ai un truc qui part par là. Ça, voilà. On a un deuxième des sitières là. Oh merde. Fonctionnel. Et là comme ça lui il a juste à se barrer comme ça tout droit là-bas. C'est vraiment pas mal. On va refaire le même principe. De ce que j'ai fait, c'est-à-dire un qui se barre comme ça, l'autre qui se barre comme ça. Là il faut que je mette à une hauteur de plus. Hop, tac, tac. Bah, et merde. Là il ne sert à, il ne veut pas savoir le faire, ouais. Ah ça me gêne là en plus ça. Tac, tac, tac. C'est bon. Lequel j'avais pris? Ici j'avais pris celui-là et je lui avais dit d'aller. C'est là, je suis bon en hauteur là. Ah, je suis pas bon en hauteur là, je suis pas bon du tout en hauteur. Ah, voilà, il a manqué un. Hop. Allez. On a fait 3 des 6 tiers. Tac. Là, elle est là. Pas 4 en fait, c'est 8 tiers. En fait, c'est 8 tiers depuis tout à l'heure. Je dis 6 tiers, je sais pas pourquoi c'est 8 tiers. Hein. C'est merde. Bon, bah, elle a fait la moitié des 8 tiers. Allez, je rajoute 2. Je me dis, attends, c'est pas normal. Il m'en reste que 2 là. Un petit souci dans mes calculs, totalement, mon gars. Petit souci dans mes calculs, mon gars. Ciao. Deuxième, troisième rangée, on va y arriver. 1, 2, 3. Four. Four, il veut pas. Four. Voilà. On colle les paramètres. Hop, et hop. On fait le même principe pour les groupeurs au niveau du départ. Ça va pas être le même. Ouais, ça va pas être exact. Je suis en train de me dire. C'est que là, il me faut un. Comme ça. J'ai encore loupé l'échelle. C'est limite. Oui, c'est pas très. Alors, disons qu'on a déjà fait. On a déjà vu mieux, mais on a déjà vu pire. Hop, là on a sorti. Et là on a sorti également. Par
contre, au niveau optimisation, ce sera pas ça, les vissins. ah merde, c'est pas grave. Maintenant, faut alimenter. Alimente Marcel. D'ailleurs, comment je me débrouille pour alimenter là ? C'est bien beau parce que. Tac, tac. Je crois que c'est ça. Ouais. Je crois que c'est comme ça que je dois alimenter. Pour les bords, c'est ça, hein ? Ouais, je me trompe pas. Je suis en même principe pour celui-là. Pour les bords, non, enfin pour le. Pour celui-là. Il y a une couille dans le pâté là. Ouais, c'est ça. Je vais le replacer celui-là. Il me disait c'est pas normal. Et ensuite j'ai E. Donc lui, il passe comme ça. C'est quoi au niveau de la hauteur, ça ressemble. Ouais. Ça passe bien, hein. Alors. Oh merde, j'ai un doute d'un coup là. Si. Oh. Attendez, alors peut-être. Là j'en suis au 7 tiers, les gars. Si si, ça marche très bien. C'est impeccable. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Bah, c'est magnifique. Et on va faire 3 points de sortie de vis parce que... Je pense qu'on va en avoir besoin. Donc, groupeur. Là, un groupeur là, un groupeur là. Voilà. Ah, je suis vraiment pas en face là. Oh. Je sais pas ce que j'ai foutu. Ah bah alors là les gars, j'avais pas du tout comment j'ai réussi à mon coup. Hop. Voilà. Donc là, je vais mettre un premier convoyeur. Conteneur, pardon. Dans mon sens. Là, je vais récupérer. Je vais mettre un deuxième conteneur. Là, je récupère et je mets un troisième conteneur. Oh, maintenant. Oh, c'est quoi cool. Ah, il est pas terrible. Ah mince! Flûte. Bon. Je vais mettre la main. Je le mets comment? Je le mets? Ok. Comme ça. Je suis en rate de tôle de fer. Petit problème de tôle de fer, ça arrive. On va chercher. On a plein de production, heureusement. On est comment au niveau béton? On est bien. Au niveau tige? Au niveau câble? Oh! Le câble, on va refaire dessus. J'en utilisais beaucoup et il m'en faut encore pas mal pour... de toute façon j'irai chercher du fil électrique. Il m'en faut encore pas mal pour... comment ça s'appelle tirer les câbles.
vais aller chercher du fil électrique. Donc, magnifique production de fil électrique. Eh, pas mal, déjà 2400 presque. Allez, hop, ça devrait suffire. Et il va falloir alimenter tout ça. Et je crois qu'on va avoir un petit souci au niveau de production, hein. Donc, il va falloir augmenter un peu la... Alors, toi tu vas alimenter ces deux là. Alors, oui c'est bon parce que lui il tourne pas. Il faudrait tout lancer d'un coup, mais... Je peux monter, s'il vous plaît. Ah, merci. Comment je vais me débrouiller, moi? C'est tendu, ça. Un peu tendu... Oula. L'alimentation, elle va pas être sympa à faire. On va changer de méthode d'alimentation. Faire la bonne à l'ancienne. Hop, c'est à dire oui, bah, je suis pas vraiment comme il faut. Voilà. Oh putain, même là c'est terrible. Là va être compliqué hein. En même temps on est tellement serré là dans cette boîte. Voilà. Là, elle est... je suis bloqué, je suis bloqué là. On va y arriver. Ah bah oui, c'est ça qui me bloque. Effectivement. Tac. Tac. On va faire le tour. Ah, rien vu. Tac. Bah voilà. Allez, bon. Plus que les trois autres lignes à faire. Là en vrai il y a un peu de place. Donc je pense... Qu'est-ce que je vais essayer de faire, c'est choper ça. Bien là, beaucoup plus simple. Ou pas. Suis parce que là je reprendrai la ligne, là je reprends la ligne et ah. Hop. Ah, c'est pas très beau avec le convoyeur. Ah, c'est parce que je me suis trompé, j'ai pas assez décalé. Oh, c'est magnifique. Vraiment, fallait pas beaucoup plus, hein. Hop, ok, cette ligne là est faite. Hop.
C'est... Ah, un mouchoir de poche ici quand même. Je sais même pas si je peux passer là. Bah là je peux pas passer. Voilà, au moins c'est fait, on a bloqué le passage. Non, j'en ai plus derrière. Ok, c'est bon. Tout ça s'est alimenté. Oh, le bordel que c'est, les gars. Oh là 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 là. J'espère que vous allez apprécier. J'espère que ça va bien tourner. Allez, bon, allez. Ok, là on est chill, on est en place. On va pas se prendre de chou. Là, on reprend là-bas. Ah, oh, ça devrait. Ah, j'ai rien dit. J'ai rien dit. Ça sera un peu moins chiant. Et j'ai failli dire, ça devrait être simple. En vrai, c'était pas si compliqué. Pas simple, mais c'était pas si compliqué. Si là, c'est pas relié, ça va pas le faire. Bon. Électricité. Et c'est là où on va rigoler un coup. Consommax 240. Voilà. Hein, avec tout ce que j'ai fait là? Attends, je dépasse autant ma conso. Oh. Là ça envoie. On est presque au max dans la capacité d'envoi. Ah, ah ça, j'aime pas. Bon. Pas trop le choix. Si c'était bon, c'était dans le bon sens ça. Allez, on envoie, on alimente. Et là, je fais quoi là? Répartiteur, oui. Répartiteur, c'est ça. Je suis pas en face. C'est pas mal grave, on va la replacer. Hein. Ça, c'est en face là. Centré du tout, je suis couillon aussi, moi je vois. Ah, mais c'est celui-là. Ah, ouais, mais d'accord, il y en a qui est pas centré du tout. Oh, oh répartiteur, voilà. Voilà, comme ça. Oups. Alim, ça. Tac. 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 C'est bizarre ça. Ça n'a pas coupé de... Oh, un truc chelou. On est bien là. Hop. Ça a l'air plutôt correct. Jusque là. Pas besoin. On va pouvoir faire ça. Ça.
Là on est bon. Là en capacité de production je dois être bien. Oh pas du tout. Pas du tout. Bah alors, attends, comment ça se fait? J'ai supprimé un truc qu'il faut pas là. Attends, j'ai pas compris. C'est bizarre là, capacité de prod. Capacité 270. Ah j'avais pas vu le 200 devant le 2 devant le 70. Ce sont des choses qui arrivent. Bon, maintenant la question c'est est-ce que ça va tenir, parce que là ça crache quand même du. La biomasse. Là en prod, je suis à combien? Consommation 50 des poussières. Ouais, ça va. Ça va, ça va, ça devrait tenir sur le moment. Après, il faut aussi dire. Tout ça, ça tourne pas. Ça tourne. Pas longtemps. Parce que ça fait déjà rempli. Ça, quoi. Bon, ça tournera encore un moment parce que ça s'applique très lentement. Ça, oui, ça tournera aussi un moment. C'est 500, mine de rien. Après, ça tourne au ralenti, hein, vu que ça, ça va se remplir. Ça, c'est déjà rempli. Okay. Bon, bah, on va tenter. On va voir ce que ça donne. Vous y croyez ou pas? Moi j'y crois. Voilà. Allez, j'ai confiance. Ça fort. Ça fort. Voilà, ça va balancer ici. C'est tournera au ralenti ici. Hein. Donc, 8 mans de charbon. Ok. Là, ça répartit. Ça tourne. Je crois pas d'ici. Ça tourne. Ok. Ça sert à rien, donc ça tourne pas encore. Ça tourne. Et pas d'alimentation. Ah bah j'avais oublié, tu vois. Bon, bah voilà, ça tourne. Il n'y a plus qu'à attendre hein, maintenant là. Ça tourne hein. Bon, ça a tourné. Oui, ça a déjà renvoyé. C'est rapide. Ça a tourné. Et ça tourne, ok. Ça. Ça tourne.
Celui d'après il tourne, celui-là il tourne. Et je suis plutôt beau. Bah il tourne. Il tourne. Il tourne. Il tourne. Et il tourne aussi. Magnifique, magnifique, magnifique. Et là j'ai 3 points de récolte de production de vis. Ça y est, on a nos premières vis. Puis ça arrive bien en plus hein. Regardez là, hop, c'est un flow, on a déjà un flow continu. Ah. C'est bizarre. Voilà. Ah, on a déjà notre flow continu. Hein. Oula oui. Ça produit même trop. Oh là là, je suis content que ça tourne tout seul quand même. C'est pas trop moche en plus, j'aime bien. J'aime bien, c'est original, ça sort de ce que je faisais à l'époque. Ça sort du type de ce que je faisais à l'époque. Bon, bah prochain épisode, on s'occupera, je pense, du câble. Câble qui sera un bis repetita du fil électrique. Sur lequel on viendra greffer la production de câbles, un peu comme pour les vis. Hein. Les vis, on avait notre production de tiges là de fer qu'on avait déjà et sur lequel on est venu greffer nos vis. D'ailleurs, je vais voir un truc, c'est au niveau de... Voilà. Non, c'est... je vais voir vite fait. Il fait que c'est... L'électrique, on en produit 20. On en produit 8 fois 20. Donc 160. Et le câble, ça nous demande 60. Ah, c'est... Ah ouais? Ah ouais! Ah bah dis donc. Donc on aura que 3 constructeurs pour le câble en fait. Qui tourneront pas un platant. Ça me va, ce sera plus simple que, que tout ce bazar là-bas. Attendez, hein, c'est pas fini. Hein. Quand on va devoir faire les plaques de fer, on va rigoler aussi. Hein. Bon bah sur ce, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Ce que je vais faire, c'est que je vais transformer tout ça pour le prochain. Et peut-être aussi aller récolter un peu de biomasse, histoire de ne pas le faire au début d'épisode. Allez, je vous dis à très bientôt, c'était Thiob.